Mes poupées, coucou, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul. Comment vous dire que j'ai craqué mon slip. Voilà, j'ai un carton plein, voilà, de produits, c'est magnifique. Il y a de tout, il y a du parfum, il y a du nuance, il y a du esthéderme, il y a de la K-beauty, il y a sèche-cheveux, du green kératine, du make-up, il y a vraiment de tout. Il y a deux articles que j'ai achetés pendant les soldes à Sephora hier. Et voilà, donc écoutez, on va commencer tout de suite. Alors, je vais d'abord vous présenter des produits. En fait, il y a un site de K-Beauty qui m'a contacté, qui revend des produits en K-Beauty. Ils sont basés en Corée et là, récemment, en fait, ils ont ouvert deux succursales aux Pays-Bas et en Pologne, si je dis pas de bêtises. Le site, il s'appelle Style Korean. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et du coup, ils m'ont proposé voilà, de m'envoyer des petits produits. Donc, c'est des produits qu'on connaît toutes hein, déjà. Que parmi ceux-là, il y en a certains que j'ai déjà testés. Mais du coup, bah, voilà, j'ai accepté. Donc, je vais vous montrer leur petite sélection. Donc, ils m'ont envoyé de la marque Tokobo. Je n'ai pas testé encore cette marque. Donc, on a le Coton Soft Sun Stick. SPF 50 PA++++. Alors ça, les sticks, hein, vous savez à quel point c'est pratique, que ce soit en localisé quand vous avez des cicatrices à cacher, même pour les enfants, quand vous n'avez pas envie de les tartiner, et même eux, ils n'ont pas envie d'être tartinés, etc. Un coup de stick, tac, et même eux, ils aiment bien le faire, ils aiment bien se tartiner, c'est trop pratique. J'ai un deuxième stick, c'est le Matte Sun Stick Mugwort et Camellia de Beauty of Joseon, SPF 50+, 4 PA. Voilà, donc écoutez, j'ai encore testé aucun des produits qu'ils m'ont envoyé, je vais les tester bientôt et je vous en reparlerai. Ils m'ont également envoyé de chez Beauty of Joseon le Calming Serum Green Tea et Panthénol. Voilà, donc là, parfait pour la saison, j'ai envie de dire. Ils m'ont également envoyé deux autres produits. Alors, le Tokobo, de la marque Tokobo, le Vita Berry Pore Toner. Alors là, comment vous dire que ça me parle énormément. Regardez le packaging, franchement, il n'est pas trop choupi. Alors, c'est pas ce que j'aime étaler dans ma salle de bain, mais voilà. Je sais pas pourquoi, je trouve ça trop mimi, ça me fait penser à ma fille. Vous voyez, typiquement, on dirait un petit truc pour enfants. Trop mignon. Donc écoutez, ça, c'est un produit que je vais tester dans la semaine, là. Je vous en reparlerai. Ils m'ont également envoyé la protection solaire Beauty of Joseon. Pardon, Relief Sun Rice and Probiotic, je pense que celle-ci, tout le monde la connaît, tout le monde l'a déjà testée. Moi, je l'avais déjà testée, j'étais pas fan, je la trouvais trop hydratante, mais écoutez, pourquoi pas la retester en hiver et voir si ma peau la supporte mieux qu'à la haute saison. Donc, voilà pour les produits que le site m'a envoyé. Ah non, il y avait un dernier produit. Ils m'ont également envoyé de chez Innisfree le Hyaluronic Acid Watery Sun Gel. Ça, c'est un solaire que j'ai déjà testé, que je vous avais dit que j'avais bien aimé. Il est certes hydratant, mais je trouve qu'il est agréable. Et en fait, il fait un peu comme un effet base un peu lissante sur la peau. Donc, je l'aime bien sous le make-up. Donc, je vous mettrai tous les contacts du lien, tous les liens du site en barre d'infos. Et vous irez jeter un petit coup d'œil. Il y a également la marque Fent Go qui m'a contacté pour un sèche-cheveux, pour me faire tester un sèche-cheveux. Moi, pour info, le sèche-cheveux que j'ai, c'est toujours celui que je vous avais présenté, que j'avais pareil reçu d'une collab il y a je sais pas combien de temps maintenant, ça doit faire plus de 3 ans que j'aime voilà, toujours autant, il fonctionne très très bien. Sauf que récemment, j'ai voulu me sécher les cheveux au diffuseur, j'ai mis ma tête en bas, j'ai fait ça, et en fait, il y a des cheveux qui sont passés par l'extérieur en fait du sèche-cheveux et ça l'a endommagé, donc j'étais obligée d'ouvrir, d'enlever les cheveux, etc. Donc si vous voulez, ça s'est refermé mais c'est un petit peu endommagé, donc là c'est tombé à pic. J'ai dit écoutez, pourquoi pas tester. J'ai regardé les avis, il n'y a que des bons avis, je crois qu'il y a 221 avis positifs. Donc écoutez, moi je l'ai déjà testé, je vous en reparlerai dans les favoris et flops du mois. Donc voilà comment il se présente. Vous avez une petite pochette. Voilà, pour le ranger. Vous avez le sèche-cheveux, voilà, très compact, blanc comme ça et rose gold. Vous l'avez en gris aussi, moi je le préfère en blanc, je le trouve magnifique en blanc. Écoutez, la puissance du truc est incroyable, vraiment. Et pour l'allumer, hop, vous montez là et voilà, nickel. Et après, vous avez donc les petits accessoires. Vous avez soit le diffuseur, soit l'embout brushing. Je vous spoil déjà le truc, il est génial. Ça change, en fait, vraiment, ça change la vie d'avoir un... Il est hyper puissant, il fait 1600 watts.
à 1600 watts. Dedans, vous avez 20 millions bioniques. Et il est hyper silencieux. Le truc, il est. En fait, ça envoie que de l'air. T'as juste le bruit de l'air. T'as pas le bruit du moteur du sèche-cheveux. Et regardez, c'est aimanté. Franchement, c'est trop bien. Puis alors ça, même pour ranger, pour en voyage, vous voyez. Et après, vous avez le diffuseur, pareil. Vous voyez, hop, c'est aimanté. Trop, trop bien. Je vais vous lire un petit peu le descriptif. Alors. Donc, c'est une marque professionnelle de sèche-cheveux ionique haute vitesse. Voilà, haute vitesse. Et donc, le site, c'est Fentgo. Je ne connaissais pas du tout. S'il y en a parmi vous qui connaissaient cette marque, moi, je ne connaissais pas du tout. Et franchement, j'en suis mais ravie. Et pour le coup, je sèche les cheveux de ma fille aussi avec. Et c'est incroyable parce que ça lui décolle toute la racine. Vous voyez, l'autre, il séchait, il faisait du vent. Il était très bien pour l'usage qu'on en faisait. Il était très bien. Mais celui-ci, il lui décolle la racine. Donc, c'est trop bien parce que ça fait encore plus de volume. Et franchement, vraiment, je suis conquise. Ensuite, est-ce que vous avez vu passer les petites nouveautés de chez Nuance? Moi, oui, forcément. Je me suis empressée de commander. Alors, j'ai pas craqué, j'ai pas commandé toute la gamme. J'ai commandé qu'un seul article de la nouveauté. C'est le soin intensif anti-tache de chez Nuance. Regardez-moi le packaging, comment il est trop joli. Donc, il est airless. Vous avez deux parties pour pas que les ingrédients se mélangent. Et alors, écoutez. Moi, vous avez vu dans mon live là, au niveau de ma peau, bon, j'étais en allergie, donc ça portait pas, comment dire, c'était pas flatteur pour ma peau, mais vous avez bien vu que j'avais zéro bouton. Tout ce que j'ai sur le visage, c'est des cicatrices. Tout ce que vous avez vu là et là, c'est des cicatrices d'imperfection, ok? Parce que mes cicatrices, elles sont soit rouges, soit marron, enfin bref, c'est une catastrophe, je mets des années à faire partir ça. Grâce à la crème éclat, ça va quand même, c'est quand même réduit de plus de la moitié au niveau du temps. Mais là, il faut que ça parte. Là, je ne peux pas. Là, j'en ai eu vraiment des grosses, etc. Ça fait quand même depuis le Solaire Vichy. Donc, ça fait depuis cet été que je les ai. Comme j'ai ralenti la crème éclat, du coup, ça part pas aussi vite qu'avant. Et je veux absolument faire partir ça. Donc, quand j'ai vu ce produit, j'ai dit, il est fait pour moi. C'est le soin intensif anti-tache trio. Dedans, vous avez de l'acide tranexamique, de l'acide azélaïque, de la vitamine C pure. Et alors, écoutez bien. Dedans, en plus de ça, vous avez de l'extrait de réglisse. Vous avez du niacinamide et après vous avez plein d'actifs apaisants pour la peau. Donc écoutez, normalement il a tout bon pour illuminer le teint, pour le côté antioxydant, pour les taches et avec l'acide azélaïque ça va traiter aussi le côté un petit peu anti-acnéique. Alors bien que de base je ne supporte pas l'acide azélaïque, je m'étais dit que si ça me fait des boutons kystiques à cause de l'acide azélaïque qu'il y a dedans, je mettrai uniquement en local. Ok, comme ça je verrai vraiment si il est efficace, mais vu les ingrédients qu'il a, à mon avis, il va être super efficace. Donc écoutez, je l'ai commencé juste aujourd'hui, donc je vous en reparlerai un petit peu plus tard, pas dans les favoris du mois de ce mois-ci, parce que ce sera beaucoup trop tôt, mais je vous en reparlerai bientôt. Ensuite, alors chez Nuance, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Comme d'habitude, j'ai repris mon soin intense contour des yeux, voilà la recharge. J'ai pris un petit format du sérum jeunesse, le peptide de cuivre, vous savez. Alors, vous allez me dire, mais attendez, je crois que tu ne supportais pas le peptide de cuivre de chez Nuance. Oui, c'est vrai. Sauf que là, j'ai plus de rétinol dans ma routine, donc je me dis que peut-être que ça peut matcher. Donc, par contre, j'ai pris en tout petit format, parce que maintenant, c'est trop bien, parce qu'ils font des tout petits formats comme ça, 15 ml, 5 ml. Mais regardez, c'est suffisant et pour tester. Et moi, vous savez que le peptide de cuivre, j'aime bien l'utiliser en contour des yeux. Donc, jusque-là, j'utilisais que le niode, parce que le niode, je suis sûre de ne pas avoir de réaction, de ne pas avoir de bouton kystique avec. Mais là, je voulais vraiment vous donner une référence, en fait, parce que souvent, vous me demandez, ouais, il vaut quoi celui de chez Nuance, comme je passe une commande là-bas, etc. Mais en fait, je ne peux pas vous faire le comparatif, puisque malheureusement, je le continue à chaque fois pas suffisamment longtemps pour avoir des résultats, étant donné que ça fait des boutons kystiques. Donc ça, là, hier soir, je l'ai appliqué sur tout le visage. Là, je vais pas l'utiliser pour l'instant sur tout le visage, à moins d'être en allergie ou quoi que ce soit. Je vais utiliser uniquement celui-là pour pas fausser, pour pas savoir si c'est les peptides ou bien l'acide azélaïque qu'il y a dedans, qui peut me causer les boutons kystiques. Par contre, je vais l'utiliser en contour des yeux et comme ça, je pourrais vous donner voilà, le comparatif entre le niode et celui-ci. Ça, c'est génial s'il y avait des produits qui vous aient envie chez Nuance, c'est que voilà, vous n'étiez pas sûr, vous aviez peur de sauter le cap, etc. Regardez, ça c'est parfait.
Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, j'ai repris également ma bulle d'hydratation. Voilà, ma bulle d'hydratation, le sérum hydratant, apaisant et régénérant que moi j'utilise en contour des yeux. Ensuite, j'ai passé une commande sur YesStyle. Je vais faire d'abord. Ah non, attendez, je vais vous montrer un petit truc. Vous savez, ma petite vendeuse Vinted, donc Célia, donc. Voilà, maintenant vous êtes plusieurs à la suivre et à avoir commandé. Et donc déjà merci de votre confiance, merci de m'avoir fait confiance. Et vous avez tout été voilà, très contente des produits, vous les avez reçus, ils sont bien authentiques, voilà, tout se passe bien. Écoutez, moi j'ai passé une petite commande. Donc j'ai pris le parfum Yara. Voilà. Donc celui-ci, je pense que vous l'avez vu passer partout, hein, voilà. Donc c'est un parfum qui sent un peu la fraise, un peu le musc. Un peu le propre mais féminin, vous voyez. Je l'aime beaucoup quand je le sens et quand je pchite comme ça. Sur ma peau, un peu moins. Sur ma peau, il y a plus le côté fleuri qui ressort, fleuri presque un petit peu oriental que j'aime un peu moins. Mais à pchiter comme ça, dès que tu l'appliques, le premier jet qui sort, j'aime énormément. Et regardez, j'ai pris le musc coton. Alors là, si vous aimez typiquement les odeurs de musc, regarde-moi, dès moi le packaging, je le trouve trop chou. Les odeurs de musc et de coton, typiquement, ça sent le musc et le coton, ça sent le propre, ça sent le bébé, ça sent super bon. Et là, du coup, bah, c'est le parfum que je mets à ma fille, en fait. Parce que pareil, il sent super bon. Mais là, moi, je suis toujours sur le Armani, en fait. Sur le Armani, le My Way, le parfum. J'arrive pas à le quitter. C'est simple, je n'arrive pas à le quitter. Donc peut-être un peu au printemps. Peut-être, je pense qu'au printemps, j'arriverai. Plus à le porter, mais alors si vous voulez vraiment une odeur de réconfortante, doudou, douce, enveloppante, c'est typiquement ça. Voilà, il sent le coton, le musc et le bébé. Il sent trop trop bon. Donc du coup, ouais, là, en ce moment, je le mets à ma fille. Je lui ai également commandé deux H-Protéome. Voilà. Et ben, il y en a un qui est pour vous. Voilà, il y en a un que je vais vous offrir. Dans cette vidéo, donc pour que je choisisse la gagnante, parce que c'est pas un concours. En fait, c'est là dans le dernier live, je vous ai offert un sérum étoile polaire de chez Garantia. Aujourd'hui, c'est un H-Protéome. Je vous l'avais dit, il y avait plusieurs d'entre vous qui me disaient, oh, j'ai pas gagné le concours, le dernier concours YesStyle, machin et tout, oh, je suis déçue, etc. Et je vous avais dit, restez branchés, décembre, il va y avoir des concours. Sauf que décembre, j'ai pas pu. Donc, du coup, je me rattrape en janvier et je vous fais, alors pas sous forme de concours, parce qu'en fait, j'ai plus envie de vous les faire sous forme de cadeau, en fait, tout simplement. Donc, pour participer, en fait, pour que je choisisse la gagnante, il suffit simplement d'être abonné à ma chaîne YouTube, de liker cette vidéo et de me laisser un petit commentaire en me disant voilà que vous aimeriez gagner le H-Protéome et je ferai le tirage. Donc alors attendez, je vais vous poster la vidéo. On sera le 17, il me semble. Donc allez, on se dit le 1er février. Comme ça vous laisse un peu 15 jours. Allez, on se dit le 1er février. Comme ça, c'est une date sûre. Pour moi, et comme ça vous laisse voilà, 15 jours à peu près pour pouvoir participer et avoir visionné cette vidéo. Donc voilà, un petit H-Protéome à gagner pour vous remercier de votre soutien, de votre fidélité et de toute cette bienveillance et tout cet amour que vous m'offrez au quotidien. Et donc je vous mettrai le lien de Célia qui a justement les H-Protéome à 50 euros, s'il vous plaît. 50 euros. Elle a des parfums, elle a du make-up en ce moment, elle a du Charlotte Tilbury. Moi, je suis dégoûtée, il n'y a pas ma teinte. Je voulais le fond de teint, là, le airbrush. Sauf qu'il n'y a pas ma teinte, il n'y a plus ma teinte. Donc, dégoûtée. Mais elle a plein de petits produits, etc. Donc, foncez les yeux fermés. Je voulais recommander parce que je sais qui elle est et je sais qu'elle est de confiance. Et par la suite, toutes celles qui ont recommandé, pareil, ont vu que voilà, elle était vraiment de confiance, etc. Donc, faites-vous plaisir. Vous en avez deux pour le prix d'un. Voilà. J'ai également commandé, mais ça, je crois que j'en avais déjà parlé, de chez Green Keratin. J'ai commandé le Rétinol, le 03 RTN Cap Bakuchiol Cream. Alors ça, je vous en parlerai dans les favoris du mois là qui vont arriver, puisque j'ai déjà un avis dessus. Écoutez, c'est prometteur. Sephora. Alors Sephora, j'ai fait les soldes. J'ai trouvé deux produits. Le premier de chez Lancôme, c'est le teint Idol Ultra Wear Stick. C'est un fond de teint stick jusqu'à 24 heures de tenue et confort. Et dedans, vous avez un Kabuki intégré, expert intégré. Alors, je l'ai prise en teinte 14 Brownie.
C'est pour faire du contouring, tout simplement. Il était à 49 euros et je l'ai payé 14,70 €. Donc voilà, s'il est dispo dans votre Sephora, sur le site, je crois qu'il n'y a plus que cette teinte-là qui est dispo. Mais foncez, ce truc est génial là pour faire du contouring. Et l'autre côté, regardez. L'autre côté, vous avez vraiment un petit kabuki comme ça pour venir estomper. Génial, génial, 14 euros. Franchement, ça vaut trop le coup. Je me suis également pris un fard à paupières. Je vous avais dit que je ne voulais plus m'acheter de palette tant que je n'avais pas un énorme coup de cœur pour une palette, mais que j'allais prioriser tout ce qui était fard mono, que ce soit crème ou que ce soit poudre. Et donc, je me suis pris le fard Pat McGrath, le Rose Venus. Écoutez, il passait à 9 euros. J'ai jeté le truc, je ne sais plus. Il était à 33 euros, il passait à 9 euros. Regardez comme il est magnifique. Attendez. Est-ce que vous voyez la beauté du fard? J'aurais presque pu maquiller avec aujourd'hui. Il est magnifique. Il est splendide. J'aime trop. Donc voilà, moi maintenant, je préfère acheter des petits fards comme ça, mais quitte à les payer 10 balles. Je préfère acheter un fard comme ça que je suis sûre d'utiliser, plutôt qu'une palette avec 15 fards où je vais en utiliser que 3 dedans et que je vais en plus je vais payer 50 balles, vous voyez. Également, Sephora, j'ai repris un Eye to Mesmerism. Quelle surprise! J'ai pris en teinte Star Gold, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, Star Gold, ah là là, il est magnifique. C'est bon, je crois que c'est mon préféré. Regardez la beauté du truc, regardez. Alors, autant les autres ne sont pas très pigmentés, bien que le Walk to Shame est quand même pas mal pigmenté. Regardez celui-ci, attendez. Est-ce que vous voyez? Je vais vous swatcher ici. S'il vous plaît. Regardez la beauté, regardez-moi. Ouh, super. Ça va, ça peut pas se casser vu que c'est de la mousse, mais quand même. Regardez-moi la beauté du truc. Regardez-moi la pigmentation. Il est incroyable, il est magnifique. Et à la base, c'était celui que j'avais acheté, vous savez, dans mon colis que mon fils m'avait perdu, là, que j'avais envie de pleurer, là. Du coup, je me le suis racheté et franchement, je regrette pas de l'avoir racheté, malgré que je l'ai payé deux fois. Mais je regrette pas de l'avoir racheté puisque au final, la couleur est vraiment incroyable. Franchement, trop jolie. Ah oui, et aussi, alors vous l'avez vu dans mon live, mais je vous le représente ici si vous ne l'avez pas vu dans mon live. J'ai pris le Parure Gold Skin Matte de chez Guerlain. Donc là, c'est pas le même packaging, puisque moi, c'est un format tester que j'ai acheté sur Vinted pour 15 euros. Attendez, j'ai vu le prix à Sephora, 94 euros. Le fond de teint, 94 euros. Waouh, 15 euros sur Vinted. Voilà, ça se passera de commentaires. C'est le fond de teint que je porte aujourd'hui. Je vous en reparlerai dans les favoris et flops du mois. Bon... faut le voir, hein, que je brille plus qu'à mon habitude. Mais voilà, je vous donnerai mon avis définitif du coup sur ce produit samedi prochain. Commande Guestyle. Alors, j'avais une autre commande que j'avais passée chez Guestyle, mais que je vous avais présentée en story sur Instagram. Alors bon, je ne vais pas vous la représenter là pour toutes celles et ceux qui ont Instagram, parce que ça va faire un petit peu redondant. Donc, je m'étais pris le... Là, je vais vous présenter que ma dernière commande et celle qui est en cours là. Donc, j'ai commandé de chez L'Adore le Wonder Bubble. C'est un shampoing hydratant et volume. Pareil, j'ai déjà testé, je vous en parlerai dans les favoris du mois. J'ai également pris sur vos conseils le Red Bean Refreshing Pore Mask de chez Beauty of Joseon. Voilà, ça, je n'ai pas encore testé. J'ai pris un petit format de l'huile capillaire L'Adore. Ouais, en ce moment, je suis à fond L'Adore. Puisqu'en fait, là, en ayant les cheveux bouclés, j'ai besoin de plus d'hydratation que de nutrition, comme je l'avais dit. Et du coup, bah, je fais à fond les pipettes. Vous savez, les Perfect Hair Fill Up. Oui, c'est ça, pour réhydrater mon cheveu. Et ça marche super bien. Donc, je me suis dit, pour le prix, autant tester, en fait, avoir une routine complète, voir ce que ça donne. Donc voilà, le shampoing, et du coup je me suis pris bah, l'huile. Alors l'huile, je vais pas la tester en ayant mes cheveux bouclés puisque ça n'a pas d'intérêt. Par contre, quand je vais me lisser les cheveux, donc c'est à dire au mois de février, puisque je dois tenir mon challenge de pas les lisser pendant un peu plus d'un mois, donc par contre voilà, quand je me lisserai les cheveux au mois de février, je testerai et je vous dirai ce qu'il en est. Ça sent la guimauve, le shampoing aussi sent la guimauve. Qu'est-ce que j'ai commandé d'autre? J'avais commandé un anti-cerne. Ah, il est là. J'ai regardé une vidéo de Mimi Signature qui conseillait cet anti-cerne. C'est le Tip Concealer de chez The Same. Voilà, je ne l'ai pas encore testé. Je voulais le tester dans mon live tuto make-up que je vous ai fait il y a... pas ce dimanche dernier, dimanche précédent.
sauf le 7 janvier, sauf que j'avais une grosse allergie sur le visage et en contour des yeux, donc je voulais pas tester un autre produit que celui que j'avais déjà. Donc écoutez, je vais le tester rapidement et je vous en reparlerai. Et bah, écoutez, il semblerait que ce soit tout. Voilà, il semblerait que ce soit tout pour... Ah oui, ma commande en cours, YesStyle, j'ai commandé l'essence Micha, pour pas changer. J'ai commandé l'ampoule Micha Time Revolution, la Borabit ampoule, pour pas changer. Et j'ai commandé le Brio B-Effect, pour pas changer. Trois produits que ça fait des années que je commande et recommande à chaque fois. Donc voilà, sans grande surprise, c'est en cours de chemin. Ah, il reste un produit. J'ai commandé ça. Je suis déçue. Je ne l'ai pas encore testé, mais je suis déjà déçue. Puisqu'en fait, c'est de chez Mixa. C'est la crème céramide protection nourrissante protectrice que vous pouvez utiliser sur le visage, le corps, les mains. Alors attention, il y a quand même il y a 10% de glycérine, squalane et céramide. Donc le squalane, attention si vous avez une peau qui réagit à tout ce qui est comédogène. Peau très très sèche, et en fait je suis déçue parce que c'est l'une d'entre vous, je sais plus qui, je suis désolée, qui me l'avait recommandé et qui m'a dit: Sarah, un bonheur de me tartiner le corps avec ça et tout, j'aime trop, c'est mon cocooning. Et en fait, j'ai pas pensé à lui demander si c'était parfumé ou pas. Et donc, moi j'ai acheté le gros pot comme ça, de 400 ml, qui n'est pas parfumé, c'est pas parfumé. Et moi, comment vous dire que j'aime me tartiner le corps tous les jours, mais par contre, il faut que ce soit parfumé, il faut vraiment que j'ai le côté plaisir. Bon, j'ai payé ça 4 balles, hein, c'est pas cher. Mais si j'ai pas le côté plaisir, ça n'a aucun intérêt pour moi. En fait, je préfère avoir moins de nutrition, mais plus de plaisir. Sinon, ça devient presque une corvée, j'ai envie de dire, que l'inverse, vous voyez, pour le corps. Donc, alors, je sais que je vais mettre une année à finir les 400 ml. Ça va être un supplice, quoi, presque. Donc, bon, bah, c'est de ma faute. J'aurais dû demander si c'était parfumé ou pas. Mais voilà, donc. Je vous présente quand même 4 euros, voilà, pour ceux et celles que ça pourrait intéresser. Et voilà. Bonne chance à ceux et celles qui vont participer pour le H-Protéome. Et donc, je vous dirai qui a gagné le 1er février. Soit je vous le dirai lors d'un live, soit je vous le dirai directement en vidéo. Ou je contacterai, si j'arrive pas à contacter la personne, je le ferai en vidéo. Voilà. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à samedi. Ciao!